Triste constat en Polynésie, chaque année, plusieurs centaines d'animaux de compagnie sont abandonnés, souvent déportés de chiots ou de chatons, lâchement déposés dans des cartons. Laurence Piercy du Parti animaliste milite pour mener des campagnes de stérilisation. Elle va plus loin en proposant de recenser les animaux dans les foyers. Elle propose aussi de stériliser les chiens errants ou tout simplement de recourir à la loi. Le point avec Chiquita Teiva et Patrick Tinsing. Bonjour les amis, on a trouvé des chiots ici à la salle de sport de Papetoaï. Ils sont trop mignons, ils cherchent une maison. Des centaines de chiens, de chats, des cartons de chiots même sont abandonnés tous les mois un peu partout à Tahiti. Des animaux qui vagabondent et qui finissent par devenir des nuisances. Laurence Percy tire la sonnette d'alarme. On a un réel souci de cartons de chiots un petit peu partout. On avait proposé des campagnes de stérilisation par les associations. Le souci, c'est que ça s'adressait qu'à des chiens qui ont des propriétaires. Nous, ce qu'on demande à l'heure actuelle, ce serait des campagnes, un dispositif pour aussi les chiens errants. Ils sont 17 du côté de Vaitupa, sur Fa'a, et 6 aérés du côté des roulottes du Taone. Roger a l'habitude de les nourrir, mais aujourd'hui, on ne les verra pas. Un client les a chassés à coups de pied. C'est pitié des chiens. J'adore les chiens, j'adore les animaux. Il y en a une qui était ici, là, hein, pendant la campagne d'euthanasie. Je l'ai chopée, elle est à la maison. Ça fait plus d'un an, elle vit à la maison. Je ne peux pas prendre en plus, j'en ai 4 maintenant. J'ai entendu qu'à Moura, le maire là-bas, il a fait une campagne. C'est vrai ça? Plus de 1200 chiens, je crois, ont fait vacciner. Pourquoi ici on est plus riche, on n'a pas les moyens? On ne peut pas forcer les gens à stériliser leurs chiennes, mais au moins les repérer, les chiennes qui appartiennent à des personnes et qui font des portées à répétition, interdire ces ventes « je veux, je prends » partout que l'on voit sur les réseaux et puis on les retrouve en bord de route, ça c'est un réel souci. Pour en finir avec ces animaux qui sont jetés comme des objets, Laurence propose de responsabiliser les propriétaires. Cela devrait passer par un recensement des chiens domestiques à stériliser et pourquoi pas véritablement réprimer l'abandon. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.